Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Vous avez de quoi visualiser pas mal de vidéos sur la Zoé en principale, bien sûr, principale voiture électrique, mais plein de hors-sujets, toujours dans le domaine de la voiture électrique. Sachant que ça va très très vite, surtout depuis début 2019, février surtout, alors c'est impressionnant. Donc je fais un petit point, on va faire une analyse un petit peu de ce qui se passe, parce que là c'est un bouleversement tout simplement, c'est ce qui avait été prévu par de nombreux experts et c'est ce qui se réalise. Donc la Tesla Model 3 fait un tabac, fait un carton à tel point que dans les pays comme les pays voisins, l'Allemagne, la Suisse, etc., elle se vend plus que BMW, Mercedes, Audi réunis en moyenne gamme. Donc c'est pour dire l'attente impressionnante, l'attente des gens, des acheteurs, hein, des personnes qui ont commandé cette voiture depuis plus d'un an maintenant et qui ont misé, qui ont parié et qui ont gagné. De toute façon, ce n'était pas un pari perdu, c'était un pari gagnant, vraiment gagnant. Alors, il y a maintenant dans les concessions en France, parce qu'en France c'est pareil, hein, ça a raz-de-marée, des voitures qui attendent par centaines en dehors des parkings de concessions. Impressionnant. Il n'y a plus de place dans les concessions pour recevoir les Tesla Model 3 en attente de livraison. Il faut savoir que la livraison des Tesla Model 3, c'est quelque chose de particulier, puisque ce sont les acheteurs qui vont la chercher, la voiture. Et les concessions de Tesla, il y en a en France, hein. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup non plus, hein. Bien sûr, c'est une marque qui est jeune et qui est vraiment spéciale, on va dire ça comme ça. Et bon, voilà, on en est arrivé à ça, une saturation des livraisons. Alors ça, bien sûr, petit à petit, ça s'écoule, hein. Il y en arrive par bateau entier, des milliers et des milliers. La production de la Tesla 3, c'est impressionnant. Ce sont des milliers de voitures par semaine. Donc voilà, Tesla a parié, a failli couler et a surpris tout le monde. C'est parti. C'est la voiture qui est en train de remettre tout d'aplomb. Il y a quelques petits défauts sur la voiture, hein, qui ont été remarqués. Mais c'est pas méchant, c'est des défauts qui sont rectifié dans la journée en concession, bien sûr. Défaut d'alignement de portière, des joints de coffre, par exemple. Des petites choses, quoi. Des problèmes de finition qui sont revisités, hein. Ça fait partie du jeu, hein. C'est comme toute voiture, hein. À part du très très haut de gamme, mais là on n'est pas dans du très haut de gamme, hein. Ce sont des prix autour de 50 000 euros, hors bonus. Donc vraiment, c'est dans l'échelle du haut de gamme à la française. Si on prend les Peugeot, Renault, c'est ça, hein, de toute façon, ça va jouer dans ces prix-là. Bon, un peu plus quand même. Alors, je suis parti maintenant, je vais parler de l'autonomie de ma voiture, puisque là, il fait une température très bonne, il fait 24 degrés en roulant, on fait 26, 28, voire 30 degrés sur un parking. Donc là, 350 km d'autonomie sur route. Donc, je peux faire plus, hein. Je peux atteindre 360, 370, voire plus. Dépend si je roule devant, de face, mon style de conduite, etc. Je suis toujours en mode économique. La pompe à chaleur est réglée sur 23 degrés. Elle s'est mise en climatisation automatiquement, puisque c'est réversible, hein, chaud ou froid. Et même en mode économique, je vous assure, c'est vraiment très agréable. Pourtant, j'ai une planche de bord noire. Et elle est grande, la planche de bord, sur la Zoé, hein. Là, ça rayonne, hein. Eh ben non, la climatisation est vraiment très efficace. Si je mets en mode normal, je vais avoir froid. Je suis sensible à ça. Bon, il y en a qui sont moins, hein. Ça dépend des personnes. Donc, je préfère en mode économique. Il faut vraiment qu'il fasse des températures caniculaires. Ou là, je mets en mode normal, mais je règle sur 28-29 degrés. Ça, j'ai déjà expliqué.
suite du trajet, donc avec les températures très agréables, j'ai fait donc le kilométrage supérieur à l'habitude, et pourtant j'ai toujours plus de 300 km d'autonomie. Quand on voit une espèce de gros truc là, pour en revenir au Tesla, donc la voiture à 35 000 $, celle qui était promise à l'automne, hein, donc 35 000 $, ça fait moins en euros, hein, ça leur aurait fait à moins de 30 000 €. Alors, Tesla 3 à moins de 30 000 €, oh, là c'est la majorité, une grande majorité d'entre nous qui aurait pu l'avoir. Malheureusement, ça va pas se faire. Je pense que c'est mon avis, hein. Ça mettrait à mal les constructeurs automobiles, tout simplement, la concurrence. Pas nous, en tant qu'acheteurs. Nous, ce serait vraiment la joie d'avoir une voiture à moins de 30 000 € électrique, comme la Tesla. Vraiment autoroutière, routière et la totale, quoi. Avec la batterie. Mais bon, on a bien compris que ça va tellement vite que les autres n'arrivent pas à suivre. Eh oui, hein, bobolote. Hein. Donc vous avez les hybrides rechargeables. Si vous avez par exemple une opportunité, une occasion intéressante, autour de 15 000 € en hybride rechargeable. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir en hybride rechargeable ? Bon, vous avez Toyota, bien sûr. Alors, la Toyota Prius 4, elle est hors de prix et elle a un tout petit coffre. Ça n'apporte rien de concret. C'est dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Ensuite, vous avez d'autres modèles. Puisqu'il y a comme autre modèle, ben, vous avez par exemple Mitsubishi, vous avez bon, d'autres marques, hein. Mais il faut vraiment avoir des occasions et des opportunités. C'est-à-dire des occasions, il faut à peine que ça dépasse 15 000 € pour que ce soit rentable. Et surtout, il ne faut pas que vos trajets quotidiens vous fassent consommer de l'essence de trop. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous sachiez rouler en électrique à l'aller et au retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Une hybride rechargeable est intéressante que si on ne dépasse pas 50 km aller-retour. Alors j'ai dépassé les 70 000 km avec la Zoé depuis que je l'ai. Zéro souci, zéro défaut. Tout va bien. Pas d'entretien comme avec une thermique. Les entretiens onéreux, les usures de pièces habituelles, on connaît tout ça. Un petit porte-lunettes en plastique. Ah, j'ai lancé l'impression sur l'imprimante, et j'ai testé sur le pare-soleil pour l'accrocher là-haut. Bah, c'est pas concluant. Je suis en train de tâtonner là, pour faire quelque chose de sur mesure. Vous savez que j'ai une imprimante 3D et que je peux donc imprimer tout ce qu'il est possible de créer de toute façon. Donc, les supports de câbles, excellent. J'ai retiré le câble type 3 de mon coffre. Je m'en sers pas. Je m'en servirai éventuellement, enfin, j'emmènerai avec moi éventuellement pour les grands trajets, au cas où. Mais sinon, le type 2, lui, est en permanence dans le coffre, accroché sur un des supports. Et ça ne vibre pas.
Regardez toutes les personnes qui me doublent, par exemple. Voilà. Vous avez l'exemple. Il y a une augmentation du nombre de morts. 250 morts, 250 décès par accident de la route. 7% d'augmentation pour ce mois-ci. Enfin, le mois de mars. Ben, c'est fou, ça. Faut arrêter le massacre, là. Je ne suis pas l'inquisiteur, hein. Je suis comme tout le monde. Moi, je roule au régulateur, je respecte la vitesse, c'est 80, c'est 80. Ça aurait été 90, et ben c'est 90, c'est tout. Mais de toute façon, les gens, quand c'est 90, ils roulent plus qu'à 90. Ça va jamais assez vite. Pour gagner quoi? Voilà, j'ai personne derrière. Tout le monde est devant. Et je les rattrape. C'est vraiment... Ça devient une aberration complète. J'en dirais que les gens ne supportent plus rien maintenant. Ils supportent plus rien. Ils supportent déjà difficilement. Alors comment pourraient-ils supporter les autres? C'est à longueur de journée quand je roule. Alors maintenant qu'il fait beau, là, c'est encore plus spectaculaire. On dirait que la vitesse est tributaire du temps. Il fait pas beau, on roule pas vite. Il fait beau, on roule vite. N'importe quoi. Et ça me dérange pas, moi, hein. Ça me bouleverse pas plus que ça. Ce qui est bouleversant, ce sont les familles des victimes, bien sûr. Pas ceux qui causent l'accident, hein, mais ceux qui subissent l'accident. Eux, c'est vraiment une injustice pour eux. Ah oui. C'est triste. Voilà, je les ai rattrapés. Ils sont tous collés derrière le camion, là-bas. Les uns derrière les autres. J'arrive derrière le paquet tranquillement. Je laisse bien s'agglutiner les uns derrière les autres. Quand on passe en électrique, hein, vous voyez tout ça? C'est une réalité, ça aussi. Hein. Je vous assure. Hein. On a un état d'esprit qui est vraiment incroyablement différent. Hein. Au fur et à mesure qu'on prend l'habitude de l'électrique, c'est impressionnant, on laisse cette distance. Pour moi, ça me paraît tellement naturel. Vous voyez la distance que je laisse à chaque fois sur mes vidéos, c'est fou, c'est une distance de sécurité, c'est une distance normale. Si ça pile devant, j'ai le temps de m'arrêter. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins énervés. Hein. Ça fait partie de la vie aussi, hein, ça. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo et je vous dis à bientôt.